عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي تلاميذ المستوى السادس ابتدائي، أهلا بكم. اليوم درس جديد في من سلسلة دروس ميز أبخونتيزاج أون فرونسي، وعندنا درس في لا غرامير. عنوان الدرس لو كومبليمون دوبجي ديريكت و لو كومبليمون دوبجي انديريكت. هذا راه درس المستوى الخامس، كنت ديجا قريته، غادي نعاود نذكرو به وكذلك نضيفو ليه بعض المعلومات، و يعني باش يترسخ لكم وتعرفوه مزيان. افون تو بحال ديما جوبسيرف اي جو ديكوفر، غنشوفو ونقراو. نو افون باسي نو فاكونس ا ال جديده. ما سور ام فواياجي. Le grand taxi conduit les touristes. Je me souviens de mon premier voyage. Il pense à son ami. Leur bagage se compose de deux valises. Alors, de combien de groupes se compose la phrase C? La phrase C, fait les groupes. Donc, adna le grand taxi, adna conduit les touristes. Donc, adna deux groupes. Adna le groupe Loul ou le groupe Tiani. Groupe, le groupe nominal ou le groupe verbal, qui est maintenant le fond. Chaque phrase fait deux groupes, groupe nominal, groupe verbal. Groupe nominal, où il fait le sujet, groupe nominal, sujet, le groupe verbal, il y a le groupe liquide, le verbe. Deux, souligne le groupe nominal, sujet, dans la phrase T. Comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné? Donc, la phrase T, qui est maintenant le groupe verbe, groupe nominal, sujet. Je me souviens de mon premier voyage. Je. Ada, wa. Le groupe nominal sujet. Le groupe lima ma starnachali. Me souviens de mon premier. Wa le groupe verbal. Le groupe verbal. Question numéro 3. Observe la phrase A. Je vous la phrase A. Nous avons passé les vacances à El Jadida. Quelle action est exprimée par le verbe? Ad le verbe ada, chnou galina, chnou drna. L'action exprimée, c'est nous qui fait l'action. L'action exprimée, c'est passer nos vacances. Yani, on a passé les vacances. Adi ya l'action li. Ada wa el fi'l li hadrna alih annahu qada l'outla dialo. Qui fait l'action et sur quoi porte l'action? Shkun qui lidera de l'action? Le sujet huwa hna li huwa nous. C'est nous qui fait l'action. Sur quoi porte l'action? Il porte sur nos vacances. Nous avons passé nos vacances. Ada wa yani complément dialo. Ada wa kmala dialo. Nous avons passé chno pa. Qu'est-ce qu'on a passé? Les vacances. Question C. Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action? Yani, avec le groupe les qui kemlina les qui hadra alayh l'action. L'action كتقولنا درنا واحد الحاجه. هذيك الحاجه شنو كنسميوها en français? On l'appelle c'est le complément. Alors, à quelle question répond les compléments dans les phrases A, B ou C? Alors, un chauffe-eau. Complément de la phrase A. Nous avons passé nos vacances à El Jadida. D'ailleurs, le complément de la phrase A ou B ou C répond à na A. Na quoi? Qu'est-ce qu'on a passé? Chnou? Qu'est-ce qu'on a passé quoi? On a passé nos vacances. Ah, donc, la réponse de. C'est la question de quoi? Chnou? Chnou douzna? Douzna? L'autre là. Yanné? Marana? L'autre là. Ma sœur aime voyager. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime quoi? Il aime voyager. Donc, là, la question c'est quoi? C'est le grand taxi conduit les touristes. Conduit les touristes. Shkoun. Ou par qui? Ou la qui? Donc, la question de qui?
Qui conduit les touristes? C'est le grand taxi. Il y a la question qui répond la phrase A, B, la phrase C. À quelle question répondent les compléments dans la phrase D, E, F? Je me souviens de mon voyage. Je me souviens de quoi? Non? De quoi? On a quoi? On a de quoi? Il pense à son ami. Il pense à qui? On a qui? On a à qui? Les bagages se composent de deux. De quoi? De quoi? Donc, il répond aux questions suivantes. De quoi? Alors, Gunana. Les compléments répondent à la question quoi, la phrase A et B, et à la question de qui, la phrase C. Il répond aussi aux questions de quoi, la phrase de quoi et à qui, la phrase E ou D et E ou F. Les compléments répondent aux questions de quoi et à qui. Ils participent à l'élaboration des règles, yani qui wuruna al-qawaid, kayf ou la ayna. Alors, question numéro 6. Chiou soual raqam 6. Sépare d'entre elles le groupe nominal et le groupe verbal. Le groupe nominal et le groupe verbal. Reda a envoyé une carte postale. Le groupe nominal sujet, ou Reda, le groupe verbal, ou a envoyé un postal. Les touristes s'adressent au guide. Les touristes, ou Reda, groupe nominal, Reda, groupe nominal sujet, Reda, groupe verbal. Groupe verbal, groupe nominal sujet. Le guide leur explique le trajet. Le guide leur explique le groupe nominal sujet, leur explique le groupe verbal. Dans les phrases suivantes, souligne le complément d'objet direct lorsqu'il y en a un. Le complément d'objet direct, il y en a un. Donc, les phrases suivantes soulignent le complément. Mon grand-père adore voyager. Qu'est-ce qu'il adore? Il adore voyager. Cette région ressemble à ma ville. À quoi ressemble cette région? Elle ressemble à ma ville. Le chauffeur du car conduit les voyageurs à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il conduit? Que conduit? Il conduit les voyageurs. L'agent. Là, il faut qu'il juge les compléments. Et complé. Qui est où? Là. L'agent de voyage réserve les billets. Non, l'agent de voyage réserve les billets. Qu'est-ce qu'il réserve? Elle réserve les billets. Dans quelle phrase? Question numéro 8. Dans les phrases suivantes, entoure le complément d'objet indirect lorsqu'il y en a un et souligne la préposition qui relie le complément d'objet indirect au verbe. L'explorateur parle de sa découverte. L'explorateur parle de sa découverte. De quoi parle l'explorateur? Il parle de sa découverte. Je téléphone à mon agent de voyage. Téléphone à qui? Mon agent. Mon agent de qui? De voyage. Les sportifs aiment marcher. Qu'est-ce que aiment les sportifs? Ils aiment marcher. Donc, Ada, Kainana, Kadalik, Naya, est lié au verbe. Karim parle à Salim. Karim parle à Salim. L'Indonésie est un bon pays. Des colons, ils sont liés à un verbe.
Naya, donc là, on doit souligner, là, l'exploitant parle de sa découverte, souligner, là, qui aime marcher, parle à Salim, Kadalika, l'Indonésie est un bon pays, on doit l'entourer parce qu'il y a. Il se souvient de son voyage. De quoi il se souvient? Il se souvient de son voyage. Donc, il est lié au verbe souvenir. Karim pense à son séjour à Marrakech. Hada, à quoi pense Hada Strolé? Donc, Hado, les qui sont liés, les martatim le fait, on a les compléments. Les huma qui est un complément d'objet indirect qui est un rire ouahed les huwa naya un beau pays. Question numéro 9. Je complète les phrases avec complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix. Naya ada khas bikum tuma kul wahed yatina bl yani jawab dialo khas dialo. Donc un petit là, il pleut. Si tu sors, prends. Yani shitakina, il a khrichi, prends ton parapluie, par exemple. Ton parapluie. Parapluie. Le guide annonce. Le guide annonce le programme. Le programme. Les voyageurs parlent de leurs vacances. Tu vois, un petit là, pour واحد يقدر يعطينا ديالو. L'hôtesse de l'air sert les voyageurs. Il sert le repas. Le chef de gare s'occupe des voyageurs. Alors, utilise comme complément d'objet direct ou complément d'objet indirect chacun des mots suivants dans une phrase. Touriste, le pilote et bagage. Maintenant, par exemple, on peut dire les touristes, le guide dirige les touristes. Le guide dirige les touristes. Normal, les exemples d'ailleurs. Le guide dirige les touristes. Les bagues, les hôtesses d'air appliquent les règles du pilote. Salim récupère ses bagages. Hado, ce sont des exemples. Donc, quand tu m'as dit que tu as dit que tu as des exemples. Si tu as dit que tu as dit que tu as dit les compléments d'objet direct ou les compléments d'objet indirect. Nous allons nous voir dans une hissa autre, Inch'Allah. Je vous souhaite que tu as dit. Mais avant cela, nous devons nous rappeler de la qaïda qui nous dit que le complément d'objet direct appartient au groupe verbal. Yani, le complément d'objet direct, tu connais juste le groupe verbal, le fait. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée. Le complément d'objet direct, qui est le fait, c'est le fait, c'est le fait. Le complément d'objet direct répond à la question. Le complément d'objet direct, dit que le qui est obtenu à la question de qui ou la quoi, شكون ou la ماذا. Il est relié directement au verbe. Dit que le verbe. Il écrit son carnet de voyage. Il écrit quoi? Il écrit son carnet de voyage. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui. Ou là à quoi? Ou là de qui? Ou bien de quoi?
il est relié au verbe par une préposition. يعني تيكون من بعد مرتبط بالفيرب بواحد لا بريبوزيسيون كيكون فارق بيناتهم واحد لا بريبوزيسيون اللي هي ا او لا دو il est relié au verbe par une préposition بحال مثلا a de avec ou bien etc. exemple il parle à son agent de voyage il parle à qui il parle à son agent de voyage le complément d'objet peut être un groupe nominal il feuillette un album de photos يقدر يكون اسم ou là un nom propre j'ai appelé Saïd ou là un pronom j'ai lui est écrit je la veux ou là un verbe à l'infinitif il préfère voyager donc هذا هو complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect donc كنا خصنا ديما نعقلوا على علاش شنو هو السؤال اللي كنطرحوه في complément d'objet direct وشنو السؤال اللي كنطرحوه في complément d'objet indirect والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته